Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pour une chaussette de Noël. Pour créer le gabarit, j'ai pris une feuille quadrillée, j'ai tracé des carrés de 2,5 par 2,5, ce qui m'a permis de facilement la dessiner. Au niveau des mesures, donc là j'ai pris un carton léger pour faire le gabarit. Le haut de la chaussette fait 20 cm. J'ai pris une hauteur de 20 cm pour faire la partie la plus étroite qui, elle, fait 15 cm. Le bas du talon est à 14 et ici on a 14 cm pour l'arrondi du bout de la chaussette. Pour la confectionner, il me faut une bande de 17 cm sur 42, un petit bout de tissu de 12 cm sur 6. Et la chaussette coupée en deux fois pour faire les deux côtés. En premier, je commence par la bande et endroit contre endroit, je vais l'assembler sur toute la hauteur à 1 cm du bord. Ensuite, je viens prendre les deux parties de ma chaussette, je les place endroit contre endroit et je vais venir assembler sur tout le tour à 1 cm en laissant surtout la partie haute ouverte. Une fois que c'est assemblé, il faut venir préparer notre petite bande en la repliant dans le sens de la largeur et encore une fois en deux pour obtenir cette largeur et on va venir piquer tout le long ici à 1 mm. J'ai ma petite bande qui est assemblée. Je vais prendre l'arrière, la couture arrière de ma chaussette. Je plie ma bande en deux et je vais venir l'épingler ici sur la couture au milieu, le côté plié vers l'intérieur de la chaussette. Là, elle est épinglée à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir glisser la bande à l'intérieur comme ceci. Il faut que l'endroit du tissu ici soit sur l'envers du tissu de la chaussette. On superpose les coutures et ensuite je vais bien épingler tout autour. Une fois assemblé, avant de retourner, on vient cranter tous les arrondis. Une fois qu'on a cranté et retourné, on a l'endroit de la chaussette, ici notre petite accroche et la bande qui est donc sur l'envers. Je suis venue faire un pli de 1,5 et je vais maintenant rabattre comme ceci, juste à la limite de ma couture. Il faut cacher la couture et on va rabattre le haut de la chaussette et venir piquer tout le tour à 1 mm. Une fois que le tour est surpiqué, eh bien, votre chaussette est terminée et il y a une petite attache pour l'accrocher à la cheminée. À vos machines!